d'artiste de temps de temps. C'est un amendement du colonel Marie Valencien. Avec vos devises pour papier, pour léguer, pour la patrie, pour la loi, la gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sécurité publique, à la libre circulation des personnes et des biens, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois en vue de protéger les institutions, les personnes et les biens. Le gouverneur-major ABCR Hassan précède l'ensemble des unités de gendarmerie. Pour la formation initiale et continue de son personnel, la gendarmerie nationale dispose des écoles de gendarmerie est précisé du colonel Philippe d'Abidjan. Son nom, son chef de corps, son école est stationné à Abidjan-Bogoté. L'école de gendarmerie de Bogoté est implantée dans le village de Mercalor, attachement aux ordres du lieutenant colonel à passer Mando à Mont-Joseph. C'est le 14 octobre 2014 que la gendarmerie nationale a épuisé le concept genre en son sein avec les premiers gendarmes féminins. Ce détachement exclusivement constitué de dames à raison de la lieutenant Abdou Ruth Claudia. Des créations récentes de l'unité de lutte contre la sécurité des gens, appropriées à la restauration de la sécurité dans le contact du Gabon. Et le prix pour le péché du Michael Sidouane devient en tête le détachement de cette unité. Permission de commencer par une partie de l'aide militaire. Pour la gendarmerie territoriale qui a arrêté les 60 de ménage et pour deux compagnies, à le mariage du tout étendu sur l'ensemble de l'État national, détachement aux ordres du colonel de Ousmane. La gendarmerie aurait exécuté entre autres des missions de métiers et des établissements de l'ordre, de sécurité publique, de protection des hautes personnalités, de surveillance des sites sensibles, détachement aux ordres du colonel de l'État national à l'Ousmane. Les unités spécialisées constituent l'élite de la gendarmerie nationale, avec un panel de missions aussi variées telles que la lutte antiterroriste, l'intervention spécialisée, la sécurisation des points sensibles et énergiques des propos stratégiques, le détachement de deux hommes du colonel Massacre Madana Ali. Il a pour mission, entre autres, la recherche de colis suspects et les opérations d'individus avec des chiens d'attaque. Défense opérationnelle de l'État sur Terre, en essai, en l'air et dans les opérations spéciales, monsieur le président de la République. Le lieutenant colonel Tao José Parfait, président du détachement de la fin de tour, le 6e. Meilleur palmarès national et des amis à grand tirage. Six chefs d'état-major du dernier en sont ici. Plus d'excellence 2019, le meilleur baccalauréat technique. Le lieutenant colonel Francis Dugomé Eustache est en tête de l'attachement de l'école nationale des sous-officiers actifs, dont la mission essentielle est la formation initiale et continue des personnels sous-officiers de l'armée de paix. Elle prend ses quartiers à Poitiers, zone aéroportuaire. Donner une formation initiale uniforme à tous les personnels des armées est le frigo du centre interarmé de formation initiale militaire qui est établi à Séguéla. Le lieutenant colonel Nébo Antoine Roger défile devant le détachement de 6e. La composante terre de l'outil de défense ivoirienne déploie à se définir les quatre armes que compte l'armée de terre ivoirienne, c'est-à-dire l'infanterie, la cavalerie, le génie et l'artillerie. La défense aux frontières terrestres est le quotidien des soldats de cette composante, ensemble des unités aux ordres du colonel Chérif Ousmane. Il est suivi du premier bataillon d'infanterie qui est stationné à Apedo et c'est la plus ancienne unité d'infanterie de Côte d'Ivoire. Le premier colonel Okou Hassan Henri Legard défile devant le détachement du premier bataillon d'infanterie. Protégé face à l'ouest et la mission de mission du bataillon de sécurisation du sud-ouest, stationné à Saint-Fégur. Son parlant de mission s'est élargi depuis. Le détachement du PSSO, défi de l'Irak, le lieutenant colonel Yangoula, voici les yeux. Le chef du bataillon Thierry François est en tête du détachement du 3e bataillon d'infanterie qui est stationné à Bokeh-Sokoura.
Un adage militaire dit que la bataille est gagnée lorsque l'infanterie a pris pied sur le terrain. Le lieutenant-colonel Corbeau Corné défile devant le détachement du bataillon de civilisation du Nord-Ouest stationné à Otimé. Les hommes de cette unité hochent les hattes, placent un bouclier étanche face aux menaces en provenance du nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, le lieutenant-colonel Tao José Parfait défend le détachement à la fin de tour. Le 6e, meilleur palmarès national et des années à grand tirage. 6 chefs d'état-major de l'année en sont ici. Plus d'excellence 2019, le meilleur baccalauréat technique. Le lieutenant-colonel Francis Dugomé Eustache est en tête de l'attachement de l'école nationale des sous-officiers actifs, dont la mission essentielle est la formation initiale et continue des personnels sous-officiers dans l'autre pays. Elle prend ses quartiers à Poitiers, zone aéroportuaire. Donner une formation initiale uniforme à tous les personnels des armées est le frigo du centre d'intervention de formation initiale militaire qui est établi à Séguéla. Le lieutenant-colonel Nébo Antoine Roger défile devant le détachement du 6e. La composante terre de l'outil de défense ivoirienne déploie à se définir les quatre armes que compte l'armée de terre ivoirienne, c'est-à-dire l'infanterie, la cavalerie, le génie et l'artillerie. La défense aux frontières terrestres est le quotidien des soldats de cette composante, ensemble des unités aux ordres du colonel Chérif Ousmane. Il est suivi du premier bataillon d'infanterie qui est stationné à Apedo, et c'est la plus ancienne unité d'infanterie de Côte d'Ivoire. Le premier colonel Okou Hassan Henri Legard défile devant le détachement du premier bataillon d'infanterie. Protégé face à l'ouest et la mission de mission du bataillon de sécurisation du sud-ouest, stationné à Saint-Fégou. Son parlant de mission s'est élargi depuis. Le détachement du PSSO, défi de l'Irak, le lieutenant-colonel Nyangoula Kouassi-Désiré. Le chef du bataillon Thierry François est en tête du détachement du 3e bataillon d'infanterie qui est stationné à Bokeh-Sokoura. Un adage militaire dit que la bataille est gagnée lorsque l'infanterie a pris pied sur le terrain. Le lieutenant-colonel Corbeau Corné défile devant le détachement du bataillon de civilisation du Nord-Ouest stationné à Otimé. Les hommes de cette unité hochent les hattes, placent un bouclier étanche face aux menaces en provenance du nord de la Côte d'Ivoire.